Pontoise, ville d'art et d'histoire et de cinéma. Pas moins de 102 films ont été réalisés dans les rues pontoisiennes depuis 1955 et le début des tournages en plein air. Un chiffre qui place la ville médiévale parmi les sites les plus prisés du département. On a l'aéroport de Roissy qui est évidemment un lieu très prisé aussi des cinéastes. On a les grandes villes, Argenteuil, même Cergy pour la modernité. Mais Pontoise, avec ses plus de 102 films et téléfilms repérés, fait vraiment partie des stars du département, voire peut-être même en tant que ville, la star. Je citerai peut-être aussi le village de Teuville, dans le Vexin, qui lui est souvent utilisé pour représenter non pas la province, mais vraiment la ruralité. L'exposition rassemble les coupures de journaux relatant le passage d'acteurs célèbres, Gérard Jugnot, Johnny Depp, Alain Delon et tant d'autres qui ont foulé les pavés pontoisiens le temps de quelques prises. Caméras et projecteurs d'une époque révolue jalonnent les coins du musée, mais le panorama de cette culture immatérielle ne s'arrête pas qu'au cinéma. On a fait un peu un point de l'histoire de la ville sur un siècle à travers ce médium qui est le film, sous tous ses aspects. En opposant donc le cinéma, la partie imaginaire, à la partie réalité, puisque la télévision, dès sa naissance, s'est un peu opposée à l'aspect imaginaire et onirique du cinéma, en essayant de montrer la réalité, c'est-à-dire les gens, en faisant des interviews sur le terrain, etc. L'exposition « Pontoise, une ville au cinéma » est à découvrir au musée Tavé de la Cour jusqu'au 4 mars.